Donc voilà, aujourd'hui c'est le grand jour puisque le tour des Yoles commence et plus précisément c'est le prologue qui va là à ce moment. Alors donc, vous représentez la protection civile, quel est votre rôle là? Alors bonjour. Effectivement, lieutenant Cassif, je suis officier chargé aujourd'hui concernant le prologue, effectivement, en termes de SIS, donc service territorial de santé de secours. C'est moi qui suis en charge, effectivement, de assurer la sécurité, effectivement, de l'ensemble du public qui va assister au prologue. Bien, donc, nous sommes accompagnés, effectivement, de cette mission, en partenariat conjoint avec justement l'association de la protection civile. Il va se présenter tout à l'heure. Effectivement, de façon commune, nous sommes là pour s'assurer que voilà, l'ensemble des concitoyens martiniquais venaient assister au prologue. Voilà, et puis en toute sécurité, on organise cette belle manifestation qui est le prologue du Judéo. Et je comprends bien, vous êtes toujours présent lors des manifestations. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que maintenant, notre mission première, bien sûr, c'est le secours à personne, puis la protection des biens et l'environnement. Mais aujourd'hui, effectivement, pour une manifestation d'une telle ampleur, d'une telle envergure, sachant très bien que la ville de Fort-de-France peut recevoir, allez, nous allons dire un chiffre comme ça, plus de 3000 visiteurs, et bien, nous sommes en charge, effectivement, en termes de sécurité, de pouvoir s'assurer que, voilà, que l'ensemble de nos concitoyens martiniquais puissent en toute sécurité pouvoir assister à cette manifestation. Maintenant, je ne suis pas seul. Nous avons effectivement l'association de la protection civile. Il est à côté de moi, il va se présenter et puis il va vous dire un petit peu en tout ce que lui aussi, parce que de façon conjointe, nous menons la même mission. Alors, moi, je suis M. Gévard, hein, Gévard Grégory, je suis secrétaire général de la protection civile. Et comme l'a dit effectivement le lieutenant Norca de justice, donc on travaille aussi conjointement sur la mise en place d'un PMA, d'un poste médicalement avancé de secours. Conjointement, nous assurons la même mission pour la sécurité des personnes, et surtout la sécurité des personnes qui viennent sur le tour, sur ce prologue, et s'assurer que ça se passe bien, qu'on soit bien accueillis. Conseil que l'on donne, c'est beaucoup s'hydrater parce qu'il est extrêmement chaud. Ne pas hésiter à manger correctement, de se reposer à l'ombre quand ils le peuvent. Effectivement, il y a une chaleur extrêmement importante et ça peut limiter effectivement l'arrivée vers le PMA, tous ceux qui ont des problèmes de diabète, de tension. N'hésitez pas à manger, hydratez-vous pendant ce prologue, c'est très très important pour nous aider effectivement à juguler l'arrivée des victimes en fait sur le site. Et ça vous a déjà arrivé de poste de secours? Oui, à ce jour, on dénote à peu près de mémoire 4 à 5 victimes déjà sur le poste de secours, dont une victime acheminée par le SIS au CHU. Donc oui, effectivement, on en a quelques-uns. On essaie, en tout cas avec le petit conseil, de boire, de manger, de s'hydrater. Vous allez relayer avec nous. Prenez le moins de victimes possible pour, en tout cas, cette thématique qui sont thématiques de coup de chaud, des victimes qui ont effectivement du diabète et qui n'ont peut-être pas pris leur traitement ou effectivement qui n'ont pas encore bien mangé. Voilà, n'hésitez pas, le tour est très beau, le prologue est magnifique, mais la santé est très importante, donc n'hésitez pas à manger, buvez, de façon à limiter l'accès en tout cas. Voilà. En tout cas, on est là pour porter secours et avec grand plaisir, mais s'ils peuvent aussi profiter du prologue, ce serait super. Merci, écoutez, bon prologue à tout le monde et puis ben, nous sommes là, nous sommes à disposition, le cas besoin. Excusez-moi, vous arrivez à la... Oui, je la connais. Après, dans son autre métier qui est le mien, nous avons travaillé avec lui sur d'autres manifestations. Et donc, oui, effectivement, je le connais. Et c'est une belle chose en tout cas. Merci beaucoup.